Hey, c'est Grims, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du sabot glacé de la toundra, du mort de crochant de guerre et du tranche d'eau cuirassé. Ce sont des montures que nous allons retrouver dans la jungle de Tanan, une zone de l'extension Warlord of Draenor. Je vais d'abord vous parler des montures, puis de la façon de les obtenir sur les rares de la jungle de Tanan. Commençons avec une brève présentation des montures. La première s'intitule Tranche d'eau cuirassé, il fait partie des 12 sangliers arrivés avec l'extension Warlord of Draenor. Ouais, 12 sangliers sur 46 montures apportées lors de l'extension. Soit un quart quand même. Au vu de sa description, je vous conseille de ne pas l'approcher avec un petit déjeuner anglais. Notre seconde monture du jour est le sabot glacé de la toundra. La couche translucide de poils qui recouvre la peau de cet animal agit comme un isolant et le protège des environnements particulièrement froids. Une monture adaptée aux crêtes de Givrefeu et aux environs de Nunmerog. Pour information, il existe aussi en 4 autres coloris. La monture Morne-Croc Chanteguerre, la dernière de cette vidéo, fait preuve d'une volonté d'acier, mais s'avère être une véritable peluche sur pattes si vous lui donnez un os de sabot fourchu à mâchouiller. Faut-il sacrifier le sabot glacé de la toundra pour apprivoiser ce loup? Je vous laisse trancher dans les commentaires. Mais n'en parlez pas à l'archidruide Latorius, je veux pas avoir la SDPA sur le dos. Là encore, il ne s'agit pas d'un modèle unique, il se décline en 7 coloris, avec ou sans armure, avec ou sans fourrure fluorescente. Alors, comment on obtient ces montures? Eh bien, il y a 100% de chance d'en obtenir une. Ouais, attendez, je vous ai pas encore expliqué le piège. Il y a 100% de chance d'en obtenir une dans les cages en fer cliquetantes. Cela veut dire que chaque monture a 33% de chance de s'y trouver. Mais cela veut aussi dire qu'on peut trouver la même monture plusieurs fois d'affilée. Et là, on aborde le premier point qui fait que ces 3 montures sont difficiles à obtenir. Car oui, vous pouvez avoir 10 fois d'affilée le morne crochant de guerre et 2 fois le tranche d'eau cuirassé sans trouver le sabot glacé de la toundra. Question suivante, comment on obtient une cage en fer cliquetante? La question qui fâche, et on l'aborde déjà. Vous allez comprendre pourquoi je place ces montures dans la catégorie difficile. Il existe 4 rares dans la jungle de Tanan qui peuvent loot la cage en fer cliquetante. On parle du pourcentage de loot juste après. Le premier, le compresseur funeste, qui sort du raid de la citadelle des flammes infernales. Sermor, proche des ruines de Kranach. Point de terreur qui se situe à l'ouest de la jungle, au front de fer, et vengeance au temple de Shanahar. Voici le premier rare, le compresseur funeste. Il sera annoncé dans le chat par un PNJ de la zone. Il y a une période où le rare est invulnérable, impossible à taper. Ça permet aux joueurs de s'approcher. Ce que je vous conseille, c'est de mettre une attaque à blanc afin que tout le monde puisse le loot. C'est très dur à farm, essayez d'être sympa avec les autres joueurs. Chaque rare vous donnera 100 de carburant, une monnaie utilisée au fief. A une chance de vous donner un médaillon de la Légion qui monte vos réputations de Draenor, se vend entre 2000 et 5000 PO en fonction des serveurs, et a aussi une chance de vous laisser une cage en fer cliquetante. Vous pouvez les voir sur la carte peu importe où vous vous situez dans la zone. Je vous conseille la donne Silver Dragon qui vous alertera quand un des rares apparaît. Attention, vous ne pouvez les loot qu'une seule fois par jour, par rare, mais vous pouvez les farmer avec plusieurs personnages. Si l'icône n'apparaît pas sur la carte et que le portrait du rare est devenu un portrait élite, c'est que vous ne pourrez rien récupérer dessus. Il y a un des 4 rares qui va changer d'emplacement entre son point d'apparition et l'endroit où on peut le trouver si personne ne l'a tué dans les premières minutes. Il s'agit de Point de Terreur, il apparaît sur le tronc d'armes que vous avez pu voir, puis remontera le chemin pour se diriger vers le temple de Shanahar. Chacun des 4 rares ont un respawn individuel compris entre 1h et 2h. J'ai pu moi-même calculer cela avec les nombreux trails à mon actif. Voici une de mes dernières feuilles de calque. Pour information, les 4 rares peuvent être actifs en même temps si personne ne les a tués. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je classe actuellement ces montures dans la catégorie d'obtention difficile. À l'époque de Warlord of Draenor, les rares ne se faisaient pas one-shot. Il était donc plus simple d'arriver vers le rare et de le toucher pour être éligible à l'obtention du loot. La cage en fer cliquetante avait un taux de drop entre 10 et 15%, donc il était relativement simple de les obtenir. Puis l'extension Légion est sortie, les rares se faisaient one-shot, donc premier arrivé, premier servi, mais le taux de drop restait le même. 8.0.1, BFA vient de sortir, les rares se font toujours autant one-shot, mais surprise, le taux de drop est réduit. Vous avez maintenant entre 3 et 5% d'obtenir une cage en fer cliquetante. Pour résumer, vous devez attendre entre 1h et 2h qu'un rare apparaisse, vous devez être le premier dessus, espérer obtenir une cage en fer cliquetante entre 3 et 5%, et de celle-ci, vous avez une chance sur 3 d'avoir la monture que vous voulez.
Alors pourquoi WoWED indique 10% de drop? Car WoWED prend en compte les données des utilisateurs depuis l'inclusion de l'objet dans la base de données. Vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu les montures à l'époque du 15% de drop, et qu'au fur et à mesure des personnes donnent à voir les montures avec du 3% de drop, le pourcentage de WoWED en fait une moyenne. C'est l'explication des 10% de WoWED. J'espère ne pas trop vous avoir démoralisé, ce que je vous conseille maintenant si vous avez toujours la motivation pour les farmer, c'est de vous placer à ce point. Il est situé au milieu de 4 rares et vous permet de les rejoindre rapidement. Une autre astuce si vous aimez faire les rerolls, c'est d'en créer sur différents serveurs ne partageant pas le même regroupement de zones. Voici la liste. Premier exemple, tous les joueurs des lunes d'Ijal de Casbonnante vont pouvoir se voir dans les anciennes zones sans être groupés. Second exemple, pour qu'un personnage du serveur Champs Éternels puisse voir une personne du serveur Archimonde, ils devront obligatoirement se grouper pour se voir. Un autre conseil, c'est de créer des personnages sur des serveurs peu peuplés. Préférez les serveurs RP, un personnage sur Conseil des Ombres, puis sur Moonglade côté anglais, et un autre côté serveur RP allemand, puis vous les connectez de temps en temps. C'est principalement ce que j'ai fait pour obtenir ces montures. Avant d'aller travailler le matin, je me connectais sur ces différents persos de serveurs peu peuplés, il y avait souvent les 4 rares de pop. J'espère que cette vidéo vous a été utile, je pense continuer avec le thème des montures en fonction de votre retour dans les commentaires, donc n'hésitez pas à laisser votre avis. Tu peux aussi t'abonner pour faire grandir la chaîne, on se revoit pour une prochaine vidéo.